Salut à tous les gars, c'est Johnny Katz, comment ça va? Moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'achat-revente encore une fois. Donc c'est une vidéo d'achat-revente assez simple, même très simple. Vu qu'en plus c'est une méthode où il y a zéro risque de perdre son argent. Donc dans tous les cas, soit vous regagnez l'argent que vous avez dépensé pour faire achat-revente, soit vous faites du profit. Donc il y a 0% de perte sur cette méthode et j'en suis sûr à 100%. Donc pour cette méthode, ça va être assez simple vu que on va prendre des joueurs, on va se fixer sur la BPL, la Liga BBVA et la Bundesliga. Donc on va prendre des joueurs hors de tous les postes. On va simplement faire Primax 250, Barclays Première Ligue et on va mettre une offre à 300 sur tous les joueurs qu'on voit, sur tous les joueurs qu'on voit. Mais attention, il ne faut pas que les joueurs aient moins de 7 de contrat ou moins de 99 de forme. Donc là par exemple, ça c'est un très très bon achat si on arrive à l'avoir. Hop, Delph 300 crédits, c'est vraiment bon. Moses aussi, c'est vraiment bon. Donc voilà, il y a, bon voilà, moi j'en ai déjà fait pas mal, donc c'est juste pour vous montrer un exemple. On va avoir pas en Ligue 1, pas en Serie A, mais en Bundesliga. Donc voilà, en Bundesliga, il y en a aussi quelques-uns pas mal, genre Braniac, pas mal, Schmin, Barca, pas mal. Par contre, ça c'est pas bien parce que le gars a plus de contrat, donc non, faut pas acheter ça. Mais sinon, tous ces joueurs-là, bah voilà, vous faites une offre dessus. Par exemple, là, vous ne faites pas d'offre parce que voilà, le gars a 3 contrats et 98 de forme, donc non. On va aller en Liga BBVA. Là, c'est pareil, là, vous faites pas d'offres. Vous faites des offres. Faites des offres, pas d'offres, offres, faites des offres un peu partout à 300. Et une fois que vous avez fait ça, mais vous allez là, dans les joueurs que vous avez achetés. Donc voilà, j'en ai acheté une quarantaine à 300. Et ce que vous allez faire, mais c'est juste les lister à 400 crédits. Donc voilà, c'est super simple, je veux dire, tu fais ça fois 40, ben voilà, tu te fais 4000 crédits. Assez facilement, je veux dire, tu fais ça pendant la nuit et après si par exemple les joueurs vendent pas, bah, la seule chose que tu as à faire, bah, c'est de les discard. Par exemple voilà, Green, bah, voilà, il va pas se vendre peut-être, je ne sais pas, alors tu fais vente rapide, hop, et voilà, j'ai même fait un bénéfice de 4 crédits, donc ça c'est pas magnifique, franchement, est-ce que ça c'est pas magnifique? Si, moi je pense que c'est magnifique ça, franchement. Donc c'est assez ça, voilà, hop, 300, 400, donc voilà, 100 crédits de bénéfice assez facilement. Vous pouvez même mettre ça, vous pouvez même les mettre à 450 pour les meilleurs joueurs. Donc voilà, lui il a 83 de vitesse, c'est un MOC, donc pourquoi pas essayer, je veux dire essayer, c'est voilà, 450, 150 crédits de bénéfice. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe pour cette vidéo d'achat-revente. C'est assez simple, franchement, enfin, je n'ai pas vraiment la difficulté dans cette technique. Par exemple là, c'était un très mauvais achat que j'ai fait. Donc j'avais pas vraiment fait gaffe, mais c'est un très 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 mauvais achat vu que lui sera pratiquement invendable. Mais bon, il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là, vu qu'il est invendable, je fais ça et j'ai récupéré les crédits. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc cette méthode ne peut pas rater. Donc c'est impossible de rater avec cette méthode. Donc voilà. Voilà, on peut voir tous les joueurs que j'ai achetés, hein, si vous voulez, vous pouvez vous baser là-dessus, mais bon, il y en a des centaines d'autres. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, mettez un petit pouce vert. Partagez cette vidéo sur le mur de vos amis, sur Twitter, partout. Suivez-moi aussi sur Twitter, sur Facebook. Suivez-moi partout, sauf dans la rue, comme je dis. Et ouais, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. À la prochaine, et ciao!